Sur un thème par année. Donc là, cette année, c'est vraiment le thème de la mer. L'idée, c'est comment est-ce que je vais pouvoir représenter la mer sous toutes ses formes, ses couleurs, ses textures dans un couteau, voire dans un support et autres. Là, par exemple, sur ce couteau-ci, donc c'est un modèle que j'ai appelé le lame de l'eau, que j'ai designé vraiment sur la partie profilée hydrodynamique. Donc il y a vraiment le côté très effilé, très fin, avec le côté natatoire qu'on retrouve ici sur le manche et sur la lame, et sur des choses très épurées. Alors que d'habitude, je travaille sur des choses qui sont un peu plus travaillées visuellement, comme celui-ci. L'idée pour moi, c'est vraiment de travailler sur une pièce fonctionnelle et artistique. Pourquoi artistique sur celui-ci? Celui-ci, c'est la mer, mais la profondeur de la mer. Inspiré du cachalot en général, avec plus de volume de lame à l'avant. Une petite patine au perchlorure de fer pour la descente en luminosité comme en profondeur. Sur les ajourages lame et manche, un contraste assez marqué avec des angles assez vifs pour représenter la compression calcaire, la cheminée volcanique des fosses océaniques. Le manche, un choix en être échauffé, stabilisé bleu pour représenter la difficulté à percevoir les détails, la netteté en profondeur, au côté assez sombre, assez abstrait. On retrouve un petit liochage sur tout le long du couteau qui permet aussi d'avoir un grip. Et là, on passe sur la partie fonctionnelle du couteau. L'idée, c'est aussi d'avoir un ergo d'index et ergo d'auriculaire et un repose-doigt pour vraiment avoir très peu d'efforts à faire pour tenir le couteau, pour que ce soit vraiment ergonomique au possible. Et la courbe de lame qui permet vraiment d'aller suivre un plan de travail quand on travaille sur une planche à découper et autres. L'intérêt étant globalement que ça fait un couteau très léger, très fin en main, très agréable. Et là, on est vraiment sur une pièce ergonomique et esthétique. L'intérêt étant que bah voilà, 90% du temps, le couteau, on s'en sert pas. Donc les 10% du temps où on s'en sert, c'est top en main, et le reste du temps, c'est beau à regarder. Pour moi, c'est vraiment le summum de ce que je recherche, c'est l'esthétique et la pratique combinées en une seule pièce.